Allez, on y va les gars! Vous allez répéter derrière moi, c'est sur l'air des poèmes de Saint-Bernard. Que j'ai connu, chanteur en Saint-Bernard. Même si on est vieux, on veut rester joyeux. Il faut qu'en médecine, on nous garde nos pieux. Dans notre hôpital, on veut de la qualité. Dans notre hôpital, on veut de la qualité. Et c'est à Joyeuse qu'on veut être soigné. Et c'est à Joyeuse qu'on veut être soigné. Ah, le Bellonston, le Bellonston, le Bellonston qu'on a. On n'a pas besoin de courir à Aubenas. On va redémarrer. Alors donc, pour obtenir la réouverture du service de médecine, dont l'activité a été suspendue pour cause de manque de médecins. Jusqu'à présent, les médecins libéraux intervenaient dans cet établissement. Ils ont fait le choix de ne plus y intervenir pour différentes raisons. Le service de médecine ne peut pas fonctionner sans médecins. La direction est à la recherche de praticiens hospitaliers. Une négociation est en cours avec les médecins libéraux du secteur pour qu'ils réinterviennent sur l'établissement, le temps de recruter des praticiens hospitaliers. Cela montre la limite du partenariat privé-public et qui peut mettre en danger la population avec la fermeture d'un service public de proximité répondant aux besoins de celle-ci et peut avoir une incidence sur les emplois et sur l'économie locale. Aujourd'hui, c'est aussi une journée de mobilisation et de grève nationale pour défendre notre système de santé. Et c'est aujourd'hui que commencent les négociations pour le budget 2021 de la Sécurité sociale. Et un PLFSS à la hauteur des besoins de la population. Macron, Véran, voleurs, rendez l'ISF pour les hôpitaux, ils en ont besoin, voleurs. Merci. 19% pour la justice, 5% pour l'intérieur, et quoi pour la santé? Ah non, ça n'est pas des marques. C'est une question.